proposé à l'artiste qui va suivre de chanter avec moi. Je n'imaginais pas qu'elle accepterait. C'est une comédienne qui me touche beaucoup. Elle est à fleur de peau et ce soir, elle a un petit peu le trac. Je vous demande de lui faire un accueil très chaleureux. C'est Laetitia Millo. Viens me rejoindre, Laetitia. Waouh, magnifique. Merci, bonjour, bonsoir à tous. Alors Laetitia, ça a été comment cette expérience pour toi de chanteuse? C'est la première fois que Laetitia chante. Hein. Oui, bah, tout d'abord déjà merci à toi pour ta confiance, pour m'avoir entourée comme tu l'as fait. C'est grâce à toi en tout cas qu'on a sorti cette voix, parce que je ne connaissais pas cette voix. Et vous allez voir, je ne regrette pas du tout de l'avoir invitée sur cette chanson, parce qu'elle s'est débrouillée merveilleusement bien. En plus, il faut rappeler que Laetitia, au-delà d'être une grande comédienne, c'est une femme de cœur. Et c'est vrai, tu as tenu à ce que cette chanson soit associée à une cause très importante pour toi. Est-ce que tu peux en parler? Oui, en effet, une partie des droits du single est reversée à l'association Endo France, qui lutte contre l'endométriose. Et cette chanson est un cadeau que je me fais, mais c'est aussi un cadeau pour le public et l'association. Et je continuerai à me battre pour les couples et les femmes atteintes d'endométriose. Et tu es une magnifique ambassadrice, on peut l'applaudir très fort. T'es prête? Angoissée, mais prête. Alors, c'est parti. On peut l'applaudir très fort, Laetitia Millo. Vous avez dit qu'elle était à fleur de peau. Oh là là, c'est émouvant, hein? Bah oui.
Ça se termine dans les larmes, mais les larmes de joie. 300 cœurs autour des grands airs classiques. C'est fini, malheureusement. Merci à France 3 de m'avoir fait confiance en présentant cette si belle émission. Merci à tous les artistes qui m'ont épaulé toute la soirée. Passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt en musique, forcément. À bientôt.